Hello, hello, comment allez-vous? Je suis extrêmement stressée, hein. C'est encore pire qu'hier, parce que déjà je vois le nombre de spectateurs alors que je voulais le cacher, mais ça va, j'espère que vous allez bien les amis. Hello Saïma, j'arrive pas à lire les pseudos, je vais rapprocher mon ordi. Désolé, j'aurai bientôt un nouvel écran. Hello Salima! Je suis sur Twitch que depuis 5 mois. Moi avant je faisais des petits lives, mais pas aussi sérieux que ça, et je vous avoue que j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment, donc je pense qu'on va essayer de faire durer ça. Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, petit planning, les amis, on revient, si vous le souhaitez, sur la vidéo que je viens de sortir, s'il y en a certains et certaines d'entre vous qui l'avaient vue. Et sinon quoi, on passera direct aux trois actus que je vous ai prévus. Je vous ai prévu quelque chose sur Jazz, quelque chose sur Camilla, parce que j'ai un petit coup de gueule à passer, et une rumeur qui a vu le jour, mais qui finalement est fausse. Hello, bonne année également! J'aimerais bien faire des lives, mais j'ai trop peur. Mon petit ami va reprendre les lives et il a peur aussi. J'essaye de le motiver parce que, en fait, c'est extrêmement, je trouve, satisfaisant de pouvoir avoir un échange avec des gens en direct. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire ici et que j'espère que ça va durer dans le temps. Vous me direz si la connexion, elle est un peu mieux qu'hier. J'ai acheté un répéteur, normalement censé être mieux. Et j'ai surtout investi dans un stream deck. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se passer dans ce live. Ça va être incroyable. On dirait que j'ai une prod, mais non, non, je suis tout seul. Excellent. Vraiment, comme Monsieur Burns dirait. Je suis à moitié absent, pas de problème. Tu parles de la vidéo Maeva Berda. Oui, c'est si vous voulez, on peut faire un débrief dessus parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis dans cette vidéo. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire parce que ça arrivait après. La vidéo, c'est celle-ci. Pardon. La vidéo, je l'ai exportée. Et juste après, j'ai vu que Maeva avait affiché des messages privés avec Magali Berda, mais j'avais pas envie de les mettre dans la vidéo parce que vous savez que j'aime pas faire ça. Et du coup, si vous les aviez vus, je voulais qu'on en parle. Mais si vous les avez pas vus, hop, on oublie ça, on passe à autre chose, tout de suite. Et on peut passer à Jazz. Vous allez voir, Jazz, bah, c'est quelque chose pareil. J'ai mangé avec ce soir, j'ai pas compris. Ah, t'as regardé la vidéo en mangeant? Eh, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos en mangeant, et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement fun. Mais oui, soit on débriefe de ça, soit on passe à Jazz et ses stories qui ont été assez choquantes, parce que je vous fais juste vite fait le petit topo. C'est pas ça que je voulais mettre, je découvre les amis. C'était ça. Cette story, elle a fait énormément parler. Donc, soit on parle tout de suite de ça, soit on débriefe la vidéo. À vous de me dire, moi je déguste mon petit matcha, parce que ça fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir, n'est-ce pas? Pas encore vu tes vidéos, je les regarde en mangeant aussi. Merci pour le follow, Fauve. J'espère que tu vas bien. Eh bien, écoutez, si vous voulez, on passe tout de suite à Jazz. Hello, c'est Eternity Ever. Je ne sais pas si je me rappelle de ton pseudo, c'est possible que oui. En fait, il y a beaucoup de pseudos, je vous reconnais surtout avec vos photos sur les commentaires. Hello, Rocket Dreamer! Oh my god! Ça fait bizarre de voir Rocket ici. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Rocket Dreamer est une des modos qu'elle a depuis le tout début quand je faisais des lives Animal Crossing. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour elle parce que c'est quand même quelqu'un de génial, on va pas se mentir. Et ça fait trop plaisir qu'elle soit là. Mais du coup, si vous voulez, on commence avec Jazz. J'ai pas pu faire mes notes papier, tout simplement parce que j'ai oublié de faire mes notes. Je les ai fait là il y a genre une demi-heure parce que j'étais trop occupé à gérer ce stream deck. Et par conséquent, j'ai totalement oublié de faire mes notes. Du coup, je les ai fait sur mon iPad comme si on était dans MTT. Tout est ici, c'est incroyable. On a des petites citations. Et bah, je voulais vous parler de Maeva, mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas vu la vidéo. Par contre, les amis, tout de suite là. Il y a une chaîne replay qui a été ouverte parce qu'une demande générale s'est faite dans la nuit. Rudy, tu ouvres une nouvelle chaîne, tu mets tes replays de live. C'est fait, la chaîne est ouverte et tout va bien se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir et c'était ça surtout l'image que j'avais mis. Je vais faire des miniatures de ce style pour bah, la chaîne replay, comme ça me ressemble. C'est mes miniatures, mais en même temps on voit que c'est autre chose parce qu'il y a ma tête et il n'y a jamais ma tête. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pas vu les posts de jazz, on va justement en parler. Hey Rocket, la Suisse, on adore. Mais bon, bref, du coup, oui, on va passer avec Jazz. Et d'ailleurs, que serait un live actuel sans les titres de MTT? Tadam! Jazz, la story qui passe pas. On en parle tout de suite. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui a fait assez scandale. On rappelle que Jazz, dernièrement, quand elle fait parler d'elle, c'est par rapport à son divorce qui finalement n'a pas eu lieu. On a eu plein de stories où elle était vraiment en colère. Il y avait vraiment des choses qui montraient que bah elle voulait plus être avec Laurent et ça parlait de tromperie. Finalement, elle a décidé de vouloir
accepté de vivre avec cette tromperie et d'essayer d'aller plus loin avec Laurent. C'est quelque chose qui a été critiqué parce que tout le monde a dit que du coup tout ça c'était seulement dû au buzz. Moi, vous savez ce que j'en pense. J'essaye de me dire que ce sont juste des histoires d'amour qui peuvent arriver, qui sont exposées au grand public, mais c'est vrai que beaucoup quand même parlent de buzz. On va pas vraiment se mentir. On a aussi eu un live alcoolisé que je ne vais pas remettre ici pour des raisons évidentes. Twitch n'accepte pas trop ça. Oups. Et dernièrement, ils se montrent ensemble et Jazz a décidé de faire une petite FAQ. Bah oui, j'ai des abonnés dans le monde entier. Évidemment, je suis connue à l'international, les amis. J'étais censée mettre une musique là, mais il n'y a pas le raccourci, donc on verra plus tard. Mais je disais donc que Jazz a décidé de faire un petit FAQ en fait sur son compte Instagram où à l'intérieur, elle veut parler un petit peu de la tromperie, essayer de répondre aux questions des gens parce que c'est vrai que les gens étaient assez virulents envers elle. Et encore une fois, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'elle décide de faire dans sa relation, bien qu'elle le médiatise, on n'a pas à aller insulter les gens. C'est un message quand même que je tiens à faire passer, qu'on aime bien quelqu'un ou non. On n'a pas à aller critiquer quelqu'un sous ses contenus. Enfin, il y a la vraie définition de la critique, on peut justement. Mais tout ce qui est insulte, genre ouais, tu n'es qu'une sale cocu, etc. J'en ai lu des choses comme ça et je trouve ça horrible. On ne connaît pas Jazz, je la porte pas dans mon cœur, mais quand même, faut pas abuser. Et donc, dans cette FAQ, il y a une question qui a été posée et moi, elle m'a échappé. C'est Elliot qui me l'a dit. Et après, j'ai vu que tous les blogueurs en ont parlé, donc je me suis dit qu'on allait en faire un petit débrief ici. Mais il y a une story qui est pas passée. Je place un trigger warning. J'ai pas prévu le fond vert. Il faudrait peut-être que je le fasse, mais je place quand même un petit trigger warning, les gars, étant donné que le mot qui va ressortir de ça, faut pas que vous le disiez dans le chat, vous pourriez être banni. J'ai des robots pour ça, je suis désolé. Et bah, vous avez un petit peu compris de quoi on va parler. De toute façon, ça va être assez explicite par rapport à cette story que je vous laisse lire. On voit donc quelqu'un qui dit que son chéri menace de tromper parce qu'il y a moins de relations entre eux, surtout parce qu'il y a eu une grossesse et une naissance. Et Jazz dit, je cite, n'oublie pas, les relations intimes sont très importantes pour l'homme. C'est une story qui est pas du tout passée, étant donné que pour les internautes, ça fait un petit peu la promotion de rapports forcés sans aller plus loin, hein, parce qu'encore une fois, nous sommes sur Twitch et je ne sais pas trop la tranche d'âge qui me regarde là tout de suite. Mais donc, tout le monde a trouvé ça scandaleux et parmi les commentaires, j'en ai pris un sur le média officiel.fr qui dit « Les relations sexuelles sont très importantes pour l'homme et le respect de la femme là-dedans. » Et c'est quelque chose qui a fait vraiment scandale et j'avais très envie d'avoir votre avis sur ça, l'avis de personnes humaines, tout simplement parce que je vais en parler dans MTT et je me suis dit... C'est vrai que c'est scandaleux parce que le message qu'elle fait passer quand même, notamment aux plus jeunes qui la regardent et aux personnes qui vont s'identifier à elle, elle fait pas l'apologie de la tromperie, on parle pas de tromperie, on parle de rapport forcé. C'est-à-dire que Jazz dit que, en gros, la personne, sa problématique, c'est que son petit ami menace de tromper parce qu'elle ne lui offre pas ce qu'il veut, pour être dans les gros termes. Et Jazz dit qu'il ne faut pas oublier que les hommes ont des besoins, tu vois, c'est horrible. Tu peux le régler sur Twitch, le trigger. Oh, je savais pas, merci beaucoup. Je n'ai pas compris ce message comme les autres. C'est-à-dire, dis-moi comment tu l'as compris. Le 1 est important pour l'homme et la femme, enfin pour les humains, exactement. Enfin, à cause des fautes. Ah oui, ok. Oui, je vois. Oui, c'est très grave. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement grave. Et en fait, c'est le fait que ça soit dit comme ça. Elle peut le penser si elle le veut, mais on peut pas dire ça publiquement avec autant de personnes derrière soi, tu vois. Un rapport forcé pour plaire, ça sera encore pire. Je trouve, dans tous les cas, tous les rapports forcés sont... C'est non, tu vois, enfin, c'est impossible. Merci beaucoup pour le follow, Onycake, bienvenue. Bonsoir, j'étais plus choquée par ces propos qui, effectivement, peut laisser sous-entendre qu'une femme doit se forcer. Oui, c'est ça, voilà. Si ça lui convient d'être l'objet de son mari, c'est son problème, mais vu sa visibilité... Oui, voilà, tu vois, si elle pense ça, c'est son problème, on va dire. Mais le dire comme ça, moi, je trouve que c'est problématique, tu vois. Donc, voilà, moi, je trouve ça choquant. Et je voulais un petit peu avoir votre avis, parce que je vais en parler dans MTT, que je filme samedi. Et les suivis, donc, elle ne devrait pas influencer les gens. Oui, voilà, il ne devrait pas y avoir cette influence dans le sens où il y a des jeunes femmes et même des jeunes hommes, hein, on ne va pas se mentir, des juste des personnes qui la suivent et qui peuvent s'identifier à elle, qui voudront peut-être ne pas perdre la personne avec qui ils sont en commettant un rapport forcé. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et ce n'est pas du tout le message qu'on devrait laisser sous-entendre. Merci pour le follow, Alexandra, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Elle donnait un conseil où c'est problématique, ça peut faire que... Oui, voilà. Mais je pense, malheureusement, qu'elle pensait même pas à mal, tu vois. Mais tu peux pas dire ça. Je dirais plutôt qu'elle a été très maladroite et qu'elle a pas fini sa phrase, tout simplement.
Voilà, tu vois, c'est possible qu'elle ait aussi parlé en mode elle se rend pas compte de la connerie qu'elle est en train de dire, mais c'est grave. Hello Rudy, première fois que je te regarde en live, j'espère que tu vas bien. Coucou, bienvenue, c'est la deuxième fois que je fais ces lives, t'inquiète pas. Oui, ça va, merci. Un peu stressée. Elle est complètement perdue, la pauvre. Moi, je pense qu'elle est aussi vraiment perdue. Fauve, c'est la dernière fois que je vois ce message, s'il te plaît, sinon je demanderai à un modo de te bannir parce qu'en plus je comprends pas. Donc au pire, écris-moi sur Instagram, mais je vois pas mon objectif d'abonné, je comprends pas. Quelqu'un qui m'a partagé, si c'est le cas, c'est très gentil, mais c'est pas obligé de spammer le message comme ça. Merci pour le follow, Aya. Je crois que j'ai pas dit bonjour. Mes sœurs sont mamans depuis peu de temps et elles suivent des influenceuses de TVR qui sont mamans par exemple, donc qui ont de l'influence réelle. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on peut avoir vraiment une influence réelle. C'est-à-dire que nous, par exemple, je ne sais pas quel âge vous avez, les personnes qui me regardent, je ne sais même pas combien on est là actuellement. Ça me fait un peu peur de savoir, mais bon, comme ça permettra un petit peu de sonder. Si jamais il y a une personne qui veut faire un sondage sur les 30 personnes, voir un petit peu la tranche d'âge, je pense que nous, on ne serait pas forcément influencés comme ça, mais des plus jeunes, des personnes qui la suivent tout le jour, etc., je pense qu'ils peuvent être influencés. Hello, oui, ça va, merci, j'espère que toi aussi. Moi, je pense surtout aux plus jeunes et c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant, je trouve, on va pas se mentir. Oh non, on perd la connexion, pourquoi? Non, c'est bon, ça revient, il y a des petits bugs. Qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez bien, vous les amis? Oui, l'homme ceci, l'homme cela, je suis d'accord. Oui, voilà, on a tous à peu près, on est tous dans la même tranche d'âge, j'ai envie de dire. Et du coup, moi, je pense vraiment à l'influence des plus jeunes et je me dis que ça peut être vraiment catastrophique, tu vois. Ouais, ça saccade un peu, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis ici? Je vais enlever ça pour voir. On verra bien. Oui, voilà, avec du recul, on prend pas tout ce que les influenceurs et les influenceuses disent au pied de la lettre. Mais voilà, du coup, j'ai eu votre avis par rapport à ça. Et je trouve qu'on est assez d'accord sur le sujet. Et ça sera rapporté dans MTT. Je suis vraiment désolé si ça saccade. Je suis avec un répéteur Wi-Fi. Et si vraiment, dans tous les lives, on voit qu'il y a des problèmes, je vais m'acheter une box pour ici. Ça sera beaucoup plus simple. Ou peut-être diffuser à un débit plus bas. Je ne sais pas. Pour la deuxième chose dont je voulais vous parler ce soir, on est sur Camila. J'ai un petit coup de gueule à passer. Le Discord n'est plus actif. N'allez pas rejoindre le Discord, s'il vous plaît, il est plus actif. Je vais en rouvrir un dans l'année, mais pas pour le moment. Mais oui, donc en deuxième chose, je voulais vous parler de Camila parce que Camila a eu une prise de poids récemment. C'est pas quelque chose qu'on doit critiquer, mais pourtant c'est quelque chose qui a quand même été critiqué. Non, c'est pas par rapport au micro, pardon, c'est vraiment Internet. Et Camila, on se rappelle qu'elle a notamment été mise en avant avec Noré dans les 50, etc. Dernièrement, avant, il y avait eu Secret Story et les apprentis, ils ont fait une pause et ils ont été remis en avant dans les 50 et les Marseillais. Et c'est quelque chose qui les a fortement déplu. Le micro, il est trop fort, vous trouvez? Merci beaucoup, hello, comment vas-tu? Et suite à ça, donc, Camila et Noré sont vraiment éloignés du monde télé, ils sont restés dans l'influence. Aux dernières nouvelles, quand je vous parlais de Camila, je vous racontais qu'elle était en embrouille avec Poupette Kenza. Et bah, tout ça, je vous l'ai raconté sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Bientôt, il y aura une commande YouTube, ne vous inquiétez pas. Aux dernières nouvelles également, Camila, elle a fait les fêtes de fin d'année avec sa famille et elle a posté une vidéo pour le nouvel an. Il me semble que c'était pour le nouvel an, j'ai peur de dire une bêtise. Si vous avez la référence, n'hésitez pas. Mais moi, je crois que c'était pour le nouvel an. Et dans cette vidéo, les gens ont remarqué que Camila a pris du poids, mais ils se sont dit qu'elle a peut-être fait une chirurgie esthétique. Et c'est quelque chose à laquelle elle a répondu parce que elle a dit que simplement elle a pris du poids, qu'elle fait un peu un yo-yo. Je cite, j'ai repris du poids d'un peu de partout, mais c'est parce que j'ai repris 12 kilos. Il ne s'est rien passé entre-temps, je n'ai rien eu, rien changé dans mon corps. Je suis allé voir personne pour faire quoi que ce soit. Je vous laisse écouter Camila une quarantaine de secondes et on reprend tout de suite. Aussi que je lis et surtout vous me l'envoyez en message privé, donc on va y répondre de façon générale. J'ai repris du poids d'un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que pareil, j'ai pris plus 12 kilos. Il s'est rien passé entre-temps. Il n'y a rien eu, j'ai rien changé dans mon corps. Je ne suis allée voir personne pour faire quoi que ce soit, mais vraiment pas du tout. Mais je fais partie de ces gens bah, qui gonflent, qui dégonflent, qui gonflent, qui dégonflent. À un moment donné, j'avais quasiment plus rien et ça sautait aux yeux, vous l'aviez remarqué. Puis avec le poids, ça revient. Voilà, donc ça, c'est les gens qui... il y a des gens qui vont te dire, eh bien sûr, la marmotte, elle met le papier ou elle met le chocolat dans l'aluminium. Non, non, non.
N'importe quoi. Mais si, s'il y a des personnes qui vont prendre du poids dans certaines zones, et du coup, ça redonne du volume, et quand elles en perdent, il n'y a plus. Pas plus avant que ça vous endorme, mais vous avez compris un peu le topo. Camila explique que bah, c'est justement qu'elle fait un yo-yo, surtout il y a eu les fêtes. Peut-être qu'elle a aussi effectivement un peu pris de poids avec des repas. Et moi, je voulais envoyer un message de body positif par rapport aux fêtes. Si jamais il y a des personnes qui me regardent qui ont pris du poids et qui commencent à recevoir des critiques en mode t'es un peu trop mangé pendant les fêtes, ignorez, on s'en fout. L'important, ce qui compte, c'est votre santé. On a le droit de faire des excès, on n'a pas à être ultra, je sais pas, feuille de salade et sport toute la journée, sauf si c'est quelque chose qui est recommandé encore une fois pour votre santé. Mais ce qui compte, c'est la santé, et Camila le dit, c'est juste un yo-yo. Et tout de suite, on se dit, ok, chirurgie esthétique, c'est un truc que je trouve ridicule et qui me saoule au plus haut point. C'est tellement ridicule de critiquer le physique, exactement, et c'est quelque chose qui m'énerve. Encore une fois, Camila, je la porte pas forcément dans mon cœur, mais je vous avoue que ça m'a vraiment énervé. Et du coup, je voulais le mettre ici pour envoyer un message de positivité pour toutes les personnes, et je pense surtout, c'est pas pour faire une généralité, mais surtout aux filles et aux femmes qui vont certainement recevoir des remarques cette première semaine de janvier. Et la prochaine, qui vont dire, ah nan, t'as peut-être pris un peu trop de poids pendant les vacances. Eh bien, va te faire voir. Au moins, je me sens très bien et je me suis éclatée pendant les fêtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais envoyer un gros message de soutien par rapport à ça et surtout pour toutes les personnes qui peuvent se sentir mal actuellement, qui peuvent être sur les réseaux ou peu importe et qui reçoivent ce genre de critiques. Ça me saoule. Genre vraiment, ça me saoule fortement. Allez, petit sound effect, on adore. Ça me saoule. J'ai du mal avec Camila, mais là c'est abusé, les gens cherchent la petite bête pour la critiquer. Mais oui, c'est exactement ça, et c'est ça avec beaucoup de personnalités télé et même hors télé. On a beaucoup de critiques qui sont uniquement faites pour... Il n'y a pas de raison en fait, c'est vraiment juste pour faire chier, littéralement, tu vois. Et je trouve ça nul, je trouve ça vraiment nul. Et pareil, tu vois, je peux... Oh, merci beaucoup pour le sub! Merci beaucoup! On a une commande sub, je me permets de l'écrire dans le chat pour celles et ceux qui ne savent pas. Ça met plein d'emotes, c'est pour remercier, merci beaucoup, ça fait grave plaisir, merci beaucoup pour le soutien. Ma voix qui bug, on adore, je ne serai pas chanteur. On va juste rester sur ce micro, hein. On va pas se mettre à la chanson, parce que ça crée un petit peu. Mais voilà, je porte pas forcément Camila dans mon cœur, mais c'est quand même quelque chose que je voulais mettre en avant, parce que je sais que ça peut toucher vraiment beaucoup de gens. Donc voilà, si jamais vous vous sentez mal, vous n'avez pas à vous sentir mal, sauf si votre santé vous dit, là, je me sens mal, faut arrêter 5 minutes, mais à part ça, c'est votre santé qui doit compter en premier, voilà. Les gens ont beaucoup plus tendance à critiquer les femmes quand il s'agit du poids. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que c'est vrai qu'un homme rond, ça passe tout de suite. On ne sait pas pourquoi. Il mange bien, il est riche, on ne sait pas. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens aiment trop juger les autres. Ils devraient plutôt s'abstenir, car ça peut détruire. Oui, en plus, on a de la chance d'être par rapport à quelqu'un, enfin en face de quelqu'un qui a quand même les épaules solides et un bon entourage. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, voyez-vous. Encore plus surprenant quand ce sont des femmes qui critiquent d'autres femmes. Ça, c'est un truc, un débat qui revient souvent par rapport à ça, notamment ouais, envers les femmes. C'est vrai qu'on a une sorte d'habitude de solidarité et par rapport aux candidates de télé et parfois même à des influenceuses, des personnalités, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui est par rapport au physique ou peu importe, il y a quand même beaucoup de femmes et parfois, je vais roter, pardon, ce ne sont pas que les très jeunes. Et on a aussi beaucoup d'adultes, des mamans, etc., qui vont critiquer le physique, insulter gratuitement. Et quand tu t'en rends compte, tu te dis « Ah ouais, en fait, on dit tout le temps « Ouais, c'est les plus jeunes, c'est pas grave. » Mais non, non, pas forcément. C'est vrai, Pink Friday dit un truc absolument vrai. C'est que Nico aussi a eu beaucoup de critiques. Je pense que c'est parce que c'est un candidat de télé également. Je pense que quand la personne parlait d'hommes, elle parlait en général. Faut dire malheureusement que les influenceuses mentent aussi beaucoup, donc on a tendance à pas les croire, nanana, nanana. Ouais, mais tu vois, là, on parlait... Enfin, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas eu d'hôpital ou quoi, il y a juste eu une vidéo, et tout le monde s'est dit, elle s'est fait implanter des trucs. Je trouve que c'est grave, quand même, tu vois. Avoir le temps de critiquer le physique et le poids des autres, c'est vraiment un truc de privilégié. De privilégié qui n'a rien d'autre à faire et qui s'ennuie. Je pense pas que ça soit quelque chose de privilégié, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est soit par rapport à un complexe qu'on a soi-même, soit par rapport à... de la méchanceté gratuite, mais je trouve ça dommage. Et moi, j'ai envie de croire que l'humain est bon, mais visiblement, je me trompe quand même. Et c'est triste, je trouve ça dommage. Mais bon, on va quand même faire avec. En tout cas, ravi de voir que même s'il y a des gens qui n'apprécient pas Camila, vous arrivez à faire la part des choses, parce que parfois, sous les commentaires des vidéos, c'est pas tout le temps le cas. Même si je demande du respect par rapport aux personnes dont je vous parle, il y a quand même beaucoup de gens qui se permettent d'insulter, etc. Ici, je me rends compte que même si on n'aime pas quelqu'un, je parle sur Twitch à des personnes qui sont là, je ne sais pas combien on est, 31 personnes, merci beaucoup, je pense sincèrement que vous arrivez à faire la part des choses, et je trouve ça cool, donc c'est cool de discuter avec des gens comme vous. Je pense que les personnes qui critiquent sur les réseaux sont mal dans leur vie,
et ne comprennent pas la portée des mots. C'est possible. Ouais, moi, je pense que ça peut découler de complexes qu'on a soi, hein. Des complexes, des choses négatives qu'on ressent. Je pense que c'est vraiment possible. Mais en tout cas, voilà, petit message de soutien pour Camilla et pour toutes les personnes qui recevraient des critiques par rapport au fait. Et on va passer à la dernière actu qui n'a rien à voir avec de la télé-réalité, mais j'avais très envie de vous en parler. Avant, je vous le dis. Honnêtement, mis à part les gossips sur la télé, sur ta chaîne, je les suis même pas. Oh, mais t'es vraiment juste en mode soutien pour moi, alors c'est grave cool, merci beaucoup. Je n'ai personnellement jamais commenté aucune photo de personnalité publique influenceur pour l'insulter et critiquer. Mais oui, j'arrive pas à imaginer le concept non plus, tu vois. Je disais privilégié dans le sens d'être une occidentale qui vit d'un pays en paix. Qui... Oh, peut-être oui, effectivement aussi. À quel moment ton passe-temps c'est d'être aigri? Je sais pas. Surprise à devoir le nouveau sujet. Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais qu'on ne parle pas de ce sujet sur mon Twitch pour des raisons qui sont assez évidentes, qui sont tout simplement un débat trop compliqué. Donc je le dirai pas plusieurs fois et j'aimerais qu'on respecte ça, s'il vous plaît. Et on passe tout de suite à la troisième actu. Rien à voir avec de la télé-réalité, mais j'ai vu ça sur Twitter avant que je le supprime et ça a pris un petit peu d'ampleur. Si vous suivez l'actu People, vous avez peut-être vu que Taylor Swift aurait été annoncée comme invitée à la Star Academy. Alors on va en parler, spoiler alert, c'est totalement faux, mais on revient un petit peu sur tout ça. En fait, c'est le blogueur, je sais pas vraiment si c'est un blogueur, Clément Garin, connu sous le nom CG Scoop, qui a lancé cette rumeur sur son compte X. Il a dit « Taylor Swift sera l'invité exceptionnel du programme samedi. Une énorme surprise attend les six académiciens. Hein ? Académiciens. L'agence SIPA a déjà été bookée pour venir prendre la star en photo durant toute la soirée. Cette rumeur a pris énormément d'ampleur. Ça a vraiment fait un boucan de malade. Et on a eu des personnes qui ont commencé à dire « On espère pour CG Scoop qu'il n'est pas en train de dire n'importe quoi parce que si c'est le cas, eh bien, il va recevoir pas mal de critiques. » Eh bien, croyez-le ou non, mais on a réussi à avoir un démenti de cette rumeur. Le responsable de communication de la chaîne de TF1 a été contacté et il a dit « C'est totalement faux. » Et oui, désolé, Taylor Swift ne sera pas là samedi dans la Starac. Hello Antoine. Ah, mon crayon. Avant d'aller plus loin, un petit message pour CG Scoop, tout simplement parce que je pense qu'il va recevoir vraiment beaucoup de haine suite à cette rumeur qui est fausse, surtout de la part des fans qui auraient aimé voir Taylor. Enfin, tout un genre de personnes qui pourraient vraiment être virulentes. Et c'est non, on n'a pas à aller harceler quelqu'un. Après, ok, je suis d'accord avec vous, fausse rumeur, surtout quand t'es... Je sais pas s'il est extrêmement suivi, mais il est suivi. Mais balancer des fausses rumeurs comme ça, je suis d'accord, c'est pas bien, surtout avec une personnalité comme ça, sur une émission comme ça. Mais ça mérite pas un harcèlement non plus. J'ai pas Twitter actuellement, donc je sais pas s'il s'en prend plein la tronche. Je l'espère pas, mais je le dis quand même. C'est évidemment non pour le harcèlement concernant Clément Garin. Il a d'ailleurs passé un petit message en réagissant, en disant « Bon les gars, vous m'insulterez qu'après certitude, si jamais je me suis planté. Pour l'instant, merci de doser vos insultes lamentables, vous ne savez pas. Si je me plante, je m'excuserai. » Laissant donc sous-entendre que peut-être c'est une surprise. Est-ce que vous y croyez ou non? J'attends vos réponses dans le chat. Je pense pas personnellement que Taylor Swift soit là. En plus, comme l'a dit Pink Friday, elle est en tournée. Donc, je pense pas qu'elle arrive pour la Starac. Et si ça avait été quelque chose qui avait été vrai, je pense qu'on en aurait déjà entendu parler. Non? Enfin, je sais pas, ça me semble logique. On parle quand même d'une star, Taylor Swift. Look what you made me do. Ça vous dit quelque chose? J'y crois pas, mais bon... Non, il mérite pas les insultes non plus. Ça, c'est hors de question. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je vous raconte aussi assez souvent sur mes vidéos, sur mes émissions, c'est de faire très attention aux rumeurs des blogueurs, de faire très attention quand on n'a pas d'infos en fait factuelles, quand on est seulement sur des rumeurs, étant donné que des fausses rumeurs comme celle-ci, bah, ça fait des bombes finalement, et ça fait qu'on en parle sur Twitch. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Je connais personne de tous ces gens. Tu ne connais pas Taylor Swift? Les Swifties auraient clairement fait fuiter l'info si c'était vrai. Mais oui, et puis même, il y aurait eu des choses, on aurait vu des trucs, enfin je sais pas. On parle quand même de Taylor Swift, tu vois, et puis comme tu l'as dit, elle est en tournée, donc... Non, il n'y a aucune raison d'aller l'insulter. Enfin, je suis désolé, des gens qui colportent des faux ragots, des fausses rumeurs, même des choses très mensongères, il y en a partout. Et il n'y a pas à aller insulter ces gens. En vrai, c'est leur problème. Et c'est juste que
si ça, ça décrédibilise pardon, leur travail, je trouve. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire dans le scoop ou dans les rumeurs, parce que si je me trompe une fois, ok, deux fois, ça passe. 3, 4, 5, 6, 7 fois, sachant que je fais 4 vidéos dans la semaine minimum, eh bien, en fait, ça décrédibilise ton travail suivant ce que tu veux apporter. Et moi, je veux vous apporter des infos, du concret, tu vois, qu'on en discute. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait dans le scoop. Rudy, rien à voir, mais est-ce que tu as l'intention de parler de la liste de Jeffrey Epstein? Alors, j'ai vu ça passer. Je ne sais pas si je vais en parler ou si Elliot va en parler, parce que je compte en parler avec lui pour qu'il en parle. Ça fait beaucoup de verbes parler. Allez, petit sound effect, on adore. C'est parti, maintenant. Ouais, voilà. Et je pense qu'on pourrait peut-être en parler sur Murders Explained, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Tu n'aurais pas plus de crédibilité? Non, je pense pas. Ah, je pense que c'était une affirmation. C'est pas la Starac où ils ont pris deux candidats qui devaient participer pour faute d'argent? Oui, si, je crois que j'en avais parlé dans MTT, qu'il y avait des candidats qui devaient participer, qui n'avaient pas participé. Merci Rockets Dreamer. TF1 l'aurait annoncé. Oui, je pense qu'ils auraient déjà réuni des audiences. On est jeudi. Donc moi, j'y crois pas trop. Et je pense en parler dans MTT, bah, en vous disant un petit peu ce que j'ai dit ici. Oui, parce que pareil, petit démenti. Hein, y a beaucoup de gens qui pensent que les actus traités ici seront nulle part ailleurs. C'est juste un petit truc en plus où je peux ramener bah, du coup, la pensée d'un chat, vous, mes abonnés, ma communauté, dans MTT. Et je trouve que c'est intéressant pour apporter un certain débat qu'on n'a pas forcément quand je fais MTT, parce que bah, je n'ai pas vos réactions. Ici, je les ai. Donc, ça me permet de prendre des notes, mine de rien, et de pouvoir apporter tout ça dans l'émission du dimanche. Donc, j'en parlerai dimanche et on verra bien ce que les commentaires YouTube diront. Mais voilà. Mais moi, je pense quand même que le harcèlement, c'est non. Et dans tous les cas, franchement, pour les trois actus, même Jazz ne mérite pas tout ce qu'elle se prend dans la tronche, je trouve. Merci pour le follow, petit soldat combatif. Bienvenue. Je pense que ces mots, je dirais pas ont dépassé sa pensée, mais elle aurait pas dû poster cette story. Mais ça sert à rien de la foutre dans une sauce pour ça, tu vois. On peut expliquer quelque chose calmement à quelqu'un. Du côté de Camilla, pareil, faut vraiment arrêter avec les critiques sur le physique. Et puis, mine de rien, on est quand même sur de la. Non, j'ai pas envie de parler de grossophobie parce que c'est pas du tout le cas. On parlait quand même de chirurgie, mais on est quand même sur des critiques physiques, grossophobie ou non. Faut arrêter avec ça, surtout après les fêtes. Personne n'a rien demandé, tout le monde s'éclate. Si on a envie de manger plus, on mange plus. Et comme je le dis, c'est la santé qui compte par-dessus tout. Et comme je l'ai dit aussi pour Taylor Swift, Clément Garin n'a absolument pas besoin d'une vague de harcèlement sur X. J'ai bien fait de quitter cette application. J'ai raté des choses sur X, les amis, parce que franchement, je ne sais point. Bon, il se met, lui, ou pas hein. Et voilà pour les petites actus du jour. On va passer vite fait, franchement, très vite fait, en mode débrief, si jamais vous voulez discuter un petit peu. Ça fait grave plaisir. Et sinon, bah, juste, on va finir ce live tranquillement, ensemble. En ce moment, c'est la chasse à ceux qui font la chirurgie. Oui, c'est vrai, en plus. Toute l'année, c'est la solidarité qui devrait primer. Mais oui, mais j'ai l'impression pardon, que c'est devenu tellement dur. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps sur YouTube. J'adore ton contenu. Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quelle que soit la plateforme, d'ailleurs. Quelle que soit la plateforme. Attends, il me faut l'autre message. Tu peux m'expliquer pourquoi, quelle que soit la plateforme, par rapport à la chasse à la chirurgie, de plus en plus à l'aise. Merci beaucoup. Eh les gars, oui, en vrai, je vous mens pas, vous savez pas, mais ce début de live, enfin, avant de commencer ce genre de live, je trouve que c'est ultra stressant parce que c'est... Je peux pas dire de bêtises, on est sur... on n'est pas sur moi qui blablate avec vous. Merci beaucoup pour le follow, Passion Créole, je te reconnais de YouTube, bienvenue. J'aime beaucoup ton naturel, merci beaucoup. Ça ne parle que de la liste de Jeffrey Epstein, il y a des tonnes de threads, on s'y perd. Écoute, je vais demander à Elliot si jamais il veut traiter le sujet pour Murders, mais moi je vous avoue que le documentaire m'a ultra intéressé, mais j'ai pas envie de me replonger là-dedans, c'est un bourbier sans nom, et je suis beaucoup plus dans mes actus en ce moment. Mais oui, ces lives sont extrêmement stressants, pas à préparer, parce que franchement c'est pas une sponsor, mais les appareils Elgato sont incroyables. Incroyables pour un début de live, quand tu veux te lancer tout seul, quand tu veux faire un petit peu de production tout seul, tu vois. Mais ça reste stressant de vous retrouver parce qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais pas vous mentir, hein, mon objectif de la semaine c'était genre 25 viewers max. Hier on a fait un pic à 50, j'ai rien compris. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est que le début. Je compte continuer ces lives mardi, jeudi et le lundi matin. Et je suis trop content d'avoir cet échange avec vous dans le chat, ça fait super plaisir. Ravi de te retrouver ici, moi aussi. Tu nous tiendras au courant si Elliot fait une vidéo. Oui, bien sûr, je vous dirai. Hello Marie, joli pull, merci beaucoup. Oui, je suis sur OBS.
Je comprends, tu assures. Vous êtes trop gentil avec moi. Je sais pas si j'assure, mais j'essaye. J'essaye vraiment, genre vraiment avec tous ces petits titres et tout, j'essaye vraiment de vous faire un truc de qualité, tu vois. Oh, Marion, pardon, pas de problème, désolé. Tu gères la fougère. Et arrêtez parce que je me mets à pleurer, hein, comme hier. Hier, j'ai failli pleurer après le live. Vous vous rendez pas compte comment c'est une dose de stress pour quelqu'un de super anxieux, mais en même temps, c'est combattre un petit peu des peurs, en fait, tout simplement, parce que déjà, les lives me faisaient peur toute l'année 2023. Et aujourd'hui, ça me fait trop plaisir d'en faire, de discuter avec vous. Et en plus, du coup, de pouvoir ramener ce que je fais sur YouTube, sur Twitch, parce que c'est ce qui me correspond finalement. L'actu, c'est vraiment un truc qui me correspond. J'adore être en temps et en heure et tout poster, tout savoir, tout dire. Et du coup, bah, sur Twitch, c'est vrai que j'étais limité au jeu. Je sais pas pourquoi je me suis limité au jeu et au chit-chat. Et en fait, non, je peux ramener de l'actu, en fait, tout simplement. J'aime vraiment bien ton travail, merci beaucoup. C'est une victoire. Tu peux te faire de toi, Rudy, tu évolues dans ta profession et on le voit très bien. Vous arrêtez de me faire rougir comme ça, après je vais pleurer encore. Donc on arrête. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur et de me suivre dans absolument tout. On se retrouve lundi matin en live. Le live ne sera pas aussi bien monté que celui-ci parce que c'est les lives du matin, le lundi. Et donc je pense que ça sera juste un petit chit-chat blabla ici, hein, mais on va juste surtout blablater si jamais vous voulez venir. Et les deux lives actu seront donc mardi et jeudi, 19h30. Les plannings seront sur Twitch, les amis, allez les voir. Il y a un onglet calendrier, le programme sera mis à jour avec les titres tout le temps. Je vous tiens aussi au courant sur mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité pour les lives sur YouTube, la chaîne de rediffusion. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre des vidéos comme celle-ci et ça fait pas, enfin, ça fait très plaisir justement. Celle-ci sera aussi en rediffusion. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre fidélité et bah, c'est que du love comme d'habitude. Je vous laisse avec l'écran de fin. Et merci pour tout le soutien parce que je pense que sur Twitch, ce n'est que le début et j'ai trop hâte de voir où tout ça va nous mener. Thank you.